Hello tout le monde! Donc aujourd'hui on se retrouve pour mes indispensables vacances, on va dire. Je sais pas trop comment je vais appeler cette vidéo, mais bon, c'est pas grave, j'ai encore des swatchs. Donc voilà, des indispensables parce que je vais partir en Corse. Je vais voir si je peux vous poster sur Insta tout ça. D'ailleurs, si vous voulez, mon Insta c'est Luna Thierry. Donc Luna Thierry. Voilà, avec une petite rose. Voilà. Et mon snap, je vous le dirai dans une prochaine vidéo. Parce qu'il faut que je le note. Parce que je vous explique. En fait, ça m'énervait parce qu'il me disait non, 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 non. J'ai fait n'importe quoi et ça a réussi. Et j'ai fait ah, ah mince. Bon, c'est pas grave. Un petit truc rigolo. Donc voilà. Alors, voilà. On va commencer. Alors, je vais faire un petit peu tout en disant. J'ai tout rerangé, mais voilà. J'ai tout dans ma tétasse. Donc on va commencer avec la poudre. Je vous ai dit, j'ai fait tout. Donc voilà cette poudre. C'est de la bombe. C'est de la bombe. Donc voilà, je sais même pas si je vous l'ai présenté dans un tuto. Je sais pas. Il faudra que je fasse le tuto summer, je vous l'avais promis. Il va arriver, il y a eu un problème d'enregistrement et tout, donc je vais devoir le refaire, mais il arrive. Donc voilà, cette poudre là, elle est trop. Elle est géniale. C'est la teinte 1. Voilà. Moi, elle m'a l'air très bien. Je sais pas si elle est plus claire ou plus foncée. Voilà. Mais elle est très bien. Celle-là, elle vient. Donc voilà. Moi, j'emmène qu'une palette. Et je sais laquelle c'est. Voilà. La Claire's. Elle est vraiment rentrée dans mon cœur. D'ailleurs, aujourd'hui, je l'ai mis. Voilà. Au rate. Voilà, ici j'ai mis du mascara, j'ai réchauffé mon teint, un peu d'highlighter et j'ai mis le Faded du mascara et j'ai mis le Faded de Line Crime. Donc voilà, elle contient toutes les couleurs. J'aime bien la colonne bleue là, surtout cette couleur, c'est celle que j'ai mis. Elle est trop belle, c'est un genre de turquoise avec des irisés dorés, il est magnifique. Donc, elle contient tout, voilà. Des teintes comme ça, assez neutre, assez rosé, assez bleuté, assez vert, voilà. Il y a vraiment tout, tout et n'importe quoi. Donc voilà, elle est trop belle. Et mélanger les couleurs, c'est trop beau. Voilà. Elle a un grand miroir, ça c'est génial. Merci, Claire. Je ne saurais pas vous dire combien elle a coûté. Mais bon, elle est géniale. Quand je l'ai vu, j'ai fait ouh, ouh là là, se calmer. Elle est géniale, elle est pas chère, hein. 10,99 €, je sais pas. Ça fait assez longtemps que je l'ai. Je me suis enfin décidée à la reprendre. Je l'ai repris. Elle devait être comme une folle dans le tiroir. Oui, prends-moi. Je reprends la vidéo. Donc voilà. Après je prends mon highlighter L'Oréal. Je prends pas de bronzer hein, parce que je voulais être assez bronzée. Voilà, L'Oréal Paris. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a après? Il y a la palette extraordinaire. Des blushs. Parce que moi, il me faut des blushs. Il me faut des blushs quand je pars en vacances. Il m'en faut. Alors après, je dis ça, mais sinon. Non, en fait. Je prends pas vraiment de choses. Je prends juste du gloss et du mascara. Et vas-y. Mais voilà. Sinon, c'est un peu mes indispensables des jours, on va dire. Des vacances maintenant. Voilà. L'été, là. Maintenant. Voilà. Elle a tout. J'aime bien ce blush. D'ailleurs, je vais l'appliquer. Comme ça, vous allez voir. Je perds. Voilà, je prends un petit pinceau comme ça. Celui-là. Il est très beau. Alors, il est léger. Après, il y a le corail. Là. Ce petit corail avec celui-là. Les deux mélangés, ils sont trop beaux. Vous voyez, en fait, c'est un pêche, un peu beige, léger. Il est très, très beau. Comme mon highlighter L'Oréal.
Oui, il n'y a pas de miroir. Ça, c'est. Ça, faudrait qu'ils s'y mettent. C'est même pas une marque, j'ai pris à Amazon. Donc voilà. H10. C'est H10. Donc voilà. C'est naturel, ça porte un petit glow. Donc après en mascara, voilà, en ce moment voilà le L'Oréal, le je vais dire, je vais le connaître dans la bataille, et le volume fossile, le fossile papillon. Faudrait que je l'apprenne. Bon. Alors après en rouge à lèvres, il y en a plein. Autant vous dire, il y en a plein. Que j'arriverai un jour à faire un choix. Un choix. Donc après pour la rouge à lèvres, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vous arrêtez? C'est les teintes que je prends en ce moment. Tout simplement. Alors, je prends un petit gloss hein, de chez Clara. Il est petit, vous. C'est pour les bébés. Non, il est très bien pour fondre les couleurs. Donc après, je prends ces deux-là. Alors, c'est le Astra, voilà, qui est rose bébé. Comme ça, tout seul, je l'aime pas trop. Mais mélangé à celui-là, on dirait un Lime Crime. C'est le Lime Crime. Et du gloss par-dessus, c'est parfait. C'est obligé que je le prenne. Après, je me suis pris. Alors, Lime Crime, attendez. Est-ce qu'il y en a deux? Il y en a deux faux. Donc le Freeline Crime, je me suis pris le Riot, le Bleak Shade et le Faded que j'ai sur mes lèvres aujourd'hui. Après j'ai pris le faux Bleak Shade, je crois, je suis pas sûre, et le faux Buffy, ça c'est sûr. Alors après je me suis pris un rouge doré de chez Astra. Oh mon dieu, celui-là je vais vous le swatcher. Juste là. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Après je me suis pris un semi-mat de chez Maybelline. Après je me suis pris un mat, voilà, je crois que vous en avez déjà parlé, je suis pas sûre. Après dans les Maybelline, je me suis pris le 605, le Precious Beige. Je me suis pris le 278, le Rose Diamond. Et je me suis pris le 914, le vibrant mandarine. Donc voilà. Mélange de couleurs. Après, j'adore ce crayon très très long. Voilà, il a sa teinte, je l'aime beaucoup. C'est un genre de rose avec des irisés dorés. Hein, voilà. Juste là, on voit pas les irisés dorés à la caméra. À la caméra, sinon on les voit. Donc, après, voilà, ma base. Vous devez avoir l'habitude maintenant. Camille Alban. Enfin, on parle plus que ça, voilà. Sinon, il y a aussi mon autre base. Donc, voilà. C'est une autre base. Pinceau, je vais pas vous présenter parce que franchement, j'en utilise plein. Voilà. On va dire, on va faire abstraction des pinceaux. Voilà. Mais sinon, cette pochette. Là. Le téléphone et j'ai pris aussi des lunettes de soleil à sortir. Sinon, si moi correspond, donc voilà. Je veux dire que c'est tout là, je crois. Voilà, après il y a mes miroirs, tout ça. Beauty Blender of Curls. Voilà, ça, un pinceau, voilà. C'est tout que je néglige pas. Voilà, pour moi, le reste. J'utilise plein de trucs. Bon, voilà. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker. Voilà. Franchement, c'était un peu brouillon. Enfin, brouillon. J'utilise tellement de trucs, en fait, que voilà, mais... Donc voilà, si vous aurez plu, n'hésitez pas à liker. Abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et en attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous.